je suis au Yodobashi Camera, qui est une espèce de darty japonais avec un étage où il y a énormément de jeux vidéo. Vous avez vu sur les vidéos précédentes, il y a quand même beaucoup de PlayStation 4 et 5. Il y a 2 mètres linéaires sur Xbox, c'est ridicule. Il y a une grosse partie jeux PC gaming qu'on a là. Et la moitié de la surface, c'est que de la Switch. Accessoires, jeux, tout ce qu'on veut. C'est thématisé de ouf, hein. Qu'est-ce que je vais acheter ? Bon, je sais ce que je vais acheter aujourd'hui, je vais acheter le Famitsu comme à chaque fois que je viens en Japon. Bonjour, bonjour, bonjour. Une vidéo que vous avez vue aujourd'hui, la première vidéo sur le Japon, le premier jour au Japon avec le voyage. Donc vous avez vu passer quelques extraits de mes aventures, de mon périple, en sachant que je suis parti de Lille, je suis toujours du Grand Nord, le dimanche matin à 7h, et je suis arrivé, heure française, le lundi matin à 7h, donc je me suis tapé 24 heures de voyage, j'ai pris un train, Ouigo, j'ai pris un avion qui m'a amené jusqu'au Shanghai, j'avais un peu peur, hein, parce que la compagnie c'était China Eastern, j'ai jamais pris. Mais ça s'est plutôt bien passé, la bouffe était pas dégueulasse, les films c'était une catastrophe, hein. Les films, j'ai regardé Mr Bean en vacances, et c'est tout. Tout le reste, c'était des vieux trucs, ou alors que des films chinois, on sent que les mecs, ils poussaient à mort leur production locale. Donc, changement à Shanghai. Shanghai, j'en ai fait des aéroports, mais alors Shanghai... Le changement, c'était une catastrophe. Le changement, c'est n'importe quoi. J'avais 2 heures pour changer d'avion. Et en fait, c'était hyper juste parce qu'il a fallu repasser la douane, il a fallu qu'il recontrôle tous les passagers, qu'il recontrôle les sacs. Tel que vous voyez, je suis en pyjama Marvel Comics, car je suis fatigué. Donc ils ont tout recontrôlé, alors que normalement, quand c'est un transfert, tu l'as pas, ce genre de truc. Là, ils ont tout fait, comme si c'était un premier vol. Et puis, autoritaire, les Chinois autoritaires. Ouais, c'est par là! Mais encore, quand ils arrivaient à parler anglais, hein, parce qu'en général, ils te gueulaient juste dessus en chinois, et toi, tu devais comprendre avec les gestes. Super. Donc le changement, c'était compliqué. Je suis arrivé pile poil au moment de l'embarquement de mon deuxième vol. Le deuxième vol s'est très bien passé. L'avion, par contre, impeccable. On voit qu'ils ont refait toute leur flotte chez China Eastern, parce que les avions sont neufs, parce que les écrans sont en 16/9, mais pour regarder des trucs nuls. C'est dommage. J'ai réussi à dormir un petit peu quand même dans l'avion, alors comme ça. Par intermédiaire de 45 minutes, par-ci, par-là. Puis je suis arrivé. Habituellement, en arrêté, j'ai aucun problème pour me retrouver, prendre mon train et arriver jusqu'au centre de Tokyo. Mais là, c'était un peu le bordel. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas arrivé au même endroit que là où j'arrivais d'habitude, ou alors c'est qu'ils ont tout changé, parce que... Moi, la dernière fois où je suis venu, c'était il y a 4 ans, c'était juste avant le Covid. Ils ont peut-être dû changer des trucs. Ils ont peut-être dû. Je ne dis pas trop. Et du coup, j'ai du mal à retrouver déjà mes mots. À retrouver comment prendre mon billet, quel train prendre. Je pense que j'ai pas pris le bon train, mais c'est pas grave. Je suis descendu une station avant et j'ai trouvé mon hôtel avec le Pocket Wi-Fi. Le Pocket Wi-Fi, c'est miraculeux. C'est un petit boîtier que vous avez comme ça. Hop là, c'est ça. Et ça se met dans votre poche et vous avez le Wi-Fi partout avec vous. Ce qui fait que du coup, ben, je reste joignable pour ma famille et tout, ça c'est cool. Voilà. Donc je suis arrivé dans l'après-midi, heure locale, vers 16h30. Bon, tout de suite, j'ai pris une douche, tout de suite, fontaine à cucu, machin. Je vous ferai un room tour de la chambre, mais là, franchement, je suis fatigué. Elle est vraiment petite, cette chambre. C'est un hôtel... C'est un hôtel que j'ai pris parce que j'avais un bon d'achat sur Airbnb, et l'hôtel était sur Airbnb, mais bon, c'est un tout petit hôtel. La literie, elle est hyper classe par contre, c'est vraiment hyper moelleux, ça c'est cool. Mais l'hôtel est vraiment petit, franchement je fais ça, je touche les deux murs. Et puis j'ai une magnifique vue, alors là vous la verrez pas, mais j'ai une vue sur le mur. J'ai un mur, juste là devant, voilà, il y a un tas d'espace entre ma fenêtre et un mur. Ce qui fait que c'est assez sombre. Et je sais pas trop comment placer la caméra en plus
pour que ça fasse. Bon, là, vous voyez, ça fait tout vide derrière. Donc, je suis arrivé à 16h30, j'ai pris une douche, etc., etc. Il ne fallait pas que je dorme tout de suite parce que sinon, j'allais me flinguer. Je suis parti me promener tout de suite sur Akihabara, qui est à 15 minutes à pied d'ici. Comme ça, j'ai repéré un peu le terrain. Je suis allé tout de suite à Yodobashi Camera où j'ai acheté le Weekly Famitsu qui est là. Donc, c'est tout. À chaque fois que je viens au Japon, c'est la 8e fois là, si j'ai mes calculs sont bons. J'achète le Weekly Famitsu, ça me fait un souvenir. Et puis, c'est un magazine de jeux, donc c'est cool. En couverture, c'est Unicorn Overlord, un jeu que mon frère m'a demandé. Peut-être que je lui ramènerai. Il y a des bonus dedans. Moi, Famitsu, j'aime bien. Donc, j'achèterai celui-ci. J'achèterai celui de cette semaine. Ça, c'était celui. Ça sort tous les jeudis. Celui de cette semaine. Et j'achèterai celui de la semaine prochaine, juste avant de partir. J'ai également acheté le Weekly Shonen Jump, qui a une planche d'autocollant. Jujutsu Kaisen, mon dieu, c'est incroyable. Qui a Ruri Dragon dedans, Elusive Samurai. Enfin, tous des trucs. Akane Banashi, tous des trucs qui sont pour la plupart imprimés en France. Enfin, édité en France. Et donc j'achète ça et ça au même mec, et le gars me dit « You speak Japanese ?»« Nihongo ça ?» J'ai fait « Nihongo Janai ?» Je parle pas japonais du tout, mon pote. Et il me dit « Mais c'est en japonais hein. ?» Je fais « Ouais, bah ça me permettra d'apprendre. » Il me dit « Ah, congratulations, machin, tout ça. Ah, » ils sont sympas, ces autochtones. Non, ils sont vraiment cool, les japonais, franchement. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté un petit Fanta, oh là, j'ai mon truc là, un petit Fanta, la meilleure boisson du monde, le Fanta melon, voilà, c'est trop bon, il me paraît plus clair que la dernière fois que j'en ai bu, et ne bougez pas, parce que j'ai aussi acheté un jeu vidéo, et oui, je ne peux pas venir au Japon sans acheter de jeu vidéo, évidemment, parce que j'ai fait le tour, j'ai fait quelques boutiques d'Akihabara, mais pas tout, parce que franchement, là, arrivé 8h, je commençais à avoir un gros coup de barre. J'avais mangé mon riz curry dans le petit restaurant qui existe toujours, où je vais tout le temps manger mon riz curry quand j'arrive ici. Et j'avais peur qu'il soit plus là au bout de 4 ans. Et donc, j'ai fait quelques boutiques, j'ai fait trader. Et là, je vois que Suicide Squad, il est à 5000 yens. Bon, ça fait à peu près 30 balles, je vois, non. Et je trouve à côté à 2500 yens, ça fait 15 euros, 16 euros. Le yen est très très bon en ce moment, 16 euros. A priori, ils expliquent juste qu'il y a un code qui a été utilisé à l'intérieur et que du coup on ne peut jouer qu'online, ce qui est évidemment faux parce que le jeu offline est jouable, mais c'est juste qu'on ne pourra pas accéder au contenu supplémentaire par la suite, ce dont je m'en bats les steaks. Moi je vais faire juste le mode solo et basta. Au pire des cas, si ça me convient pas, je vais le revendre. Hein. Je le revendrai 16 balles et ce sera réglé. Alors oui, c'est une boîte japonaise, mais le jeu est quand même au moins en anglais. J'ai pas vérifié, hein, mais il est au moins en anglais. Ce qui n'est pas un souci pour moi. Voilà. Donc c'était le premier achat jeu vidéo de cette petite semaine. Je suis là donc jusque mercredi la semaine prochaine. Demain, je fais encore Akihabara, mais là, plus en profondeur. J'ai vu ce film. Je vais également aller à Ueno. Enfin, vous verrez demain. J'espère que je ne me suis pas trop planté au niveau du montage. Sur ce, je vais aller me reposer. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. Ciao !